Bonjour à toute l'équipe de Fort FM, on est ravis de recevoir une fois de plus chez nous à la galerie. Donc moi je suis Catherine, co-présidente avec Patrick de la galerie Tête de l'Art. Pour la première fois aujourd'hui, nous présentons un nouveau concept qui s'appelle Rencontre. En fait le principe c'est de faire venir un artiste et de faire venir son public et de permettre de communiquer. Un petit peu comme une séance de dédicace avec un auteur mais avec les artistes exposés à la galerie. Donc là aujourd'hui c'est un essai, on est content parce qu'il y a quand même pas mal de visiteurs. Donc l'idée est venue du fait que finalement les visiteurs, les acheteurs potentiels et même les amateurs d'art ou de photos ont rarement l'occasion de rencontrer les artistes. Bien sûr, il y a le vernissage qui est dédié à ça, mais le vernissage, c'est quand même un moment très intense où il y a tellement de monde qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir des vrais échanges. Et en discutant avec Marc une après-midi lors d'une de ses visites à la galerie, on s'est dit, finalement, l'idéal, ce serait de créer un espace privilégié, une après-midi, entre l'artiste et son public. Voilà. Et à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est déjà fait. Donc, on est très heureux d'avoir initié ces rencontres. Marc inaugure la première session aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de recevoir Christa Witt, donc qui expose ses sculptures en ce moment à la galerie, samedi prochain, sur le même principe. Donc, elle sera là à partir de 14h, mais on va dire que les échanges se font à partir de 15h. Il y aura du gâteau, du café. L'essentiel est de partager un moment de convivialité. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux nous voir à l'occasion de la prochaine rencontre. En fait, moi, j'étais toujours assez attiré par le pictorialisme. En fait, le pictorialisme, c'est un courant photographique qui est arrivé juste au début de la photographie. C'est quand les photographes ont cru un instant qu'ils allaient pouvoir concurrencer ou faire mieux que les peintres. Quoi, en fait. Voilà, donc il y a eu une petite bataille à l'époque entre les deux. C'est quelqu'un que j'admire qui disait qu'en fait, dans l'art, il n'y a pas de recherche. Rechercher quelque chose, faire un travail préparatoire, en fait, c'est complètement ridicule. C'est ce qu'il faut en fait, c'est d'avoir un regard premier. Il faut que ça nous saute aux yeux, quoi. En fait. Voilà. Vous trouvez toutes les rencontres avec les artistes sur la page Facebook de la galerie Tête de l'Art. Fort FM se fera également un plaisir de relayer les dates. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez-nous un pouce et à bientôt sur Fort FM.